force du commandement de la police de Dara a déclaré samedi soir aux médias syriens que l'enfant kidnappé Fawaz Kotefan fait désormais partie de sa famille et est en bonne santé. Dans un message sur sa page Facebook officielle, le ministère syrien de l'Intérieur a confirmé la libération de l'enfant Fawaz Kotefan, notant que sa santé est bonne. Le cas de l'enfant a commencé à interagir en Syrie et à l'étranger après une vidéo publiée par les ravisseurs il y a environ une semaine de l'enfant qu'ils ont enlevé il y a 3 mois dans la ville d'Ibda, et l'enfant apparaît dans la vidéo en train d'être torturé avec le but de faire pression sur la famille de payer la rançon. L'histoire de l'enfant syrien a commencé le 2 novembre alors qu'il se rendait à l'école tôt le matin avant d'être surpris par 4 personnes, dont une femme à moto, qui l'ont kidnappé avec l'intention de demander une rançon à sa famille. Le montant de la rançon était très élevé car les ravisseurs exigeaient environ 700 millions de livres syriens, et après de longues négociations, le gang a réduit le montant à 500 millions de livres, soit environ 140 000 dollars. La famille Bouillie a vendu tout ce qu'il possédait, mais n'a pas pu obtenir le montant requis. Alors les ravisseurs ont fait le pire imaginable pour tout être humain, déshabillant l'enfant et le battant brutalement et envoyant la vidéo à la famille afin de faire pression sur eux et payer la rançon. Des sources syriennes ont rapporté la libération de l'enfant Fawaz Kotefan dans la ville d'Ibda, dans la campagne de Dara, au sud de la Syrie, quelque temps après son enlèvement. Des sources ont indiqué que l'enfant Fawaz a été libéré par les ravisseurs et placé devant une pharmacie dans la ville de Nawa, à l'ouest de Dara, après que la rançon ait été payée par ses proches. De son côté, l'artiste syrien Abdelhakim Kotefan a déclaré dans un post sur Facebook « Enfin, une attente amère, dure, longue et dangereuse, l'ange innocent est revenu dans l'étreinte chaleureuse de sa famille. Mille grâces à Dieu pour votre sécurité, oncle Fawaz, et félicitations à sa famille et à sa et profond remerciement, gratitude et amour à tous ceux qui ont participé avec nous. La cruauté, l'anxiété et l'oppression des moments, 10 heures, 10 jours et des mois au cours desquels Fawaz était absent de sa famille. لأخواتك. أنا كلياتنا نحبك. يلا فوالا جاهزين يا شباب. جاهزين يلا.